Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo Xbox Actu qui j'espère vous fera plaisir. On n'oublie pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de soutenir la chaîne car le critère donc temps de visionnage est très important au niveau de YouTube. On va commencer par Myst qui va arriver dans le Xbox Game Pass Day One le 26 août. Si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas ce que c'est, on va voir ça tout de suite. Du coup, c'est un jeu de puzzle classique à la première personne de 1993 et qui se déroule sur une île qui porte le même nom du jeu, à savoir Myst. Du coup, il s'agit d'une aventure unique qui ne fournit aucun contexte, aucune direction et aucune voie évidente, alors que vous travaillez à résoudre, ces énigmes et à reconstituer les mysteries. Le jeu sera donc disponible sur Xbox One, Xbox Series X et Series S. Maintenant, si vous êtes sur les consoles nouvelle génération, grâce au AMD Fidelity FX Super Résolution, vous allez bénéficier d'une résolution accrue. Du coup, sur Series X, le jeu va tourner en 4K 60 FPS et sur Series S, ça sera 1440 60 fps, donc les deux consoles vont afficher le jeu avec leur résolution native. En tout cas, on est vraiment gâté pour ce mois d'août parce qu'il y aura Psychonauts 2 qui arrive, il y a ce jeu qui est Myst le 26 août. Après, il y a 12 minutes, je pense, qui arrive demain, lui je vais le streamer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir donc sur la chaîne lors du live ou bien sur Twitch, c'est à vous de voir. Et puis il y aura aussi Recompile, si je me trompe pas. En tout cas, je vous ai fait la vidéo, n'hésitez pas à regarder, je sais pas, ici ou là. Bref, j'en ai parlé dans une vidéo Xbox Game Pass. En parlant de Xbox Game Pass, Xbox a ajouté le Touch Controls à 10 jeux, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de la manette pour y jouer, soit sur téléphone ou bien sur tablette. Parmi ces jeux, il y aura donc Hades qui a été rajouté récemment sur le Game Pass. Vous avez Wasteland, donc le 1, le 2 et le 3. Vous avez Going Under, puis Puyol 2, Need for Speed, Farming Simulator le 19, Psychonauts. Donc il y a le Psychonauts 2 qui arrive bientôt. Et puis Blood Roots, si vous ne l'avez pas fait, franchement, je vous le conseille ce jeu. Il faut aussi savoir que la position des touches dépend du jeu. Imaginons si peut-être sur Blood Roots, le point A, le bouton A se trouve à droite, peut-être sur Hades il peut se trouver à gauche. C'est en fait travailler histoire que le joueur ait la meilleure expérience possible, justement s'il décide de jouer sans la manette. Et en parlant de manette, je ne sais pas si vous connaissez Scuf Gaming. Du coup, c'est une société qui fait des accessoires gaming. Voilà, ça peut être des manettes PS4, PC, Xbox, des casques et puis voilà, d'autres types d'accessoires. Vous avez les housses, les câbles, pack et ainsi de suite. Du coup, ils ont dévoilé donc une nouvelle manette pour Xbox Series. Elle fonctionne aussi sur Xbox One. Elle s'appelle Instinct, donc Xbox Instinct. On aura donc des coques qui sont amovibles. On aura une joystick interchangeable, puis des grips performance, on va en parler tout à l'heure. Et puis des gâchettes instantanée, voilà, et les palettes qui peuvent être reconfigurées. Alors, c'est évidemment pour faire concurrence aux manettes Xbox Series Elite et qui d'ailleurs ont des problèmes. Voilà, allez, du coup, en compatibilité, ça marche donc sur Xbox Series XS, Xbox One, sur Windows 10. Vous n'aurez pas besoin de clé USB pour faire fonctionner la manette sur PC. Donc ça marche aussi au niveau du système macOS et puis iOS 10 et Android. Le poids, on est à 280 grammes. Connectivité sans fil via Bluetooth. Et puis il y a un câble filière USB-C qui est inclus. Du coup, dans la boîte, ce qu'on aura, c'est la manette, le câble USB type C et puis les joysticks que vous pouvez remplacer. Donc, la différence entre Instinct et puis Instinct Pro, c'est juste au niveau des gâchettes qui sont instantanées. Donc, ils ont dit à l'instar d'un clic de souris. Vous imaginez, je pense que la course a été réduite, c'est pour vous permettre justement de tirer rapidement. Donc vous avez un grip haute performance qui offre une sensation confort et anti-dérapante pour les sessions donc de jeux prolongés, mais c'est pour la version pro uniquement. Voilà, donc pour la version juste Scuf Instinct, vous n'avez pas ça. Maintenant, tout ce qui s'ensuit, tout est aussi disponible sur la version Instinct.
telles que les 4 palettes remappables. En fait, cela veut dire que vous pouvez les configurer, vous pouvez mettre les touches que vous voulez. Ensuite, le bouton de profil qui va vous permettre d'avoir 3 configurations. Donc, l'option de connectivité soit sans fil ou bien vous pouvez utiliser le câble. Puis, la coque amovible, ça vous permet de customiser votre manette. Et enfin, des joysticks interchangeables qui sont ici. Donc vous pouvez les enlever et puis les remettre. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire concernant ces manettes. Je les ai pas, j'espère. Je vais les contacter en tout cas pour voir si je peux en avoir une, histoire de la tester. Et puis voilà, de vous donner mon ressenti par rapport à cela. Bon, on sait jamais. Alors, le premier, donc ça commence à partir de 179,99€. Ouais, c'est super cher, mais voilà, c'est comme ça, c'est la qualité, hein. Et pour la version Pro, on est à 209,99€. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous comptez les prendre ou pas du tout? Et ah oui, et pour les acheter, c'est uniquement ici qu'elles sont disponibles, hein. Elles ne sont pas disponibles sur les autres sites revendeurs. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez Ninja. Oui, vous savez, le joueur qui est tellement connu sur Fortnite. Mais avant d'être joueur pro Fortnite, il était joueur pro Halo. Je ne sais pas, Halo 2 ou Halo 3. Et du coup, il y aura un Twitch Rivals demain, donc jeudi à partir de 20h. Je vous montre ça ici, vous avez le programme. Du coup, ouais. À partir de 20h, il sera là et il fera une AMA, c'est-à-dire Ask Me Anything. En français, demande-moi ce que tu veux. Et je pense donc c'est à propos de Halo. Voilà, si vous avez envie de savoir, je sais pas, des détails concernant le jeu. Je sais pas de quoi trop, je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais c'est surtout à propos du jeu. Donc, si vous avez des questions, vous aimeriez savoir des choses, bah, vous pouvez vous y rendre demain à partir de 20h pour lui demander, voilà. Je ne sais pas, c'est Halo Infinite ou Halo 2, voilà. Je pense qu'on va quand même le revoir parce que Xbox est quand même en train de prendre pas mal de streamers qui sont connus, histoire d'avoir un petit partenariat, parce qu'il y a Halo Infinite qui va bientôt sortir. C'est le cas déjà de Locklear, voilà, qui a été sponsorisé par Xbox. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas à FR. Voilà, en tout cas, je vais jeter un coup d'œil lors du stream et puis je veux voir de quoi ça parle. Et puis, si c'est intéressant, je vous ferai une vidéo pour vous en parler de, voilà, de ce qui a été dit. Peut-être qu'on aura des infos sur Halo Infinite. Voilà, les amis, c'est la fin de la vidéo. Pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici, merci, merci beaucoup. Parce que comme je vous l'avais dit, le temps de visionnage est très important. Et sur ce, du coup, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Salut.